Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de l'influence en règle générale, mais en particulier de l'influence des gens les uns sur les autres. Alors j'ai plusieurs exemples qui me viennent à l'esprit. Le premier exemple, c'est j'ai remarqué que quand j'ai des peurs et que je vais demander à mes amis proches qu'est-ce que tu ressens sur telle ou telle situation, j'ai remarqué que souvent ces personnes piquer mes peurs, alors je sais pas le bon terme, hein, mais vont être influencés même si j'essaye de pas montrer que j'ai une peur. J'ai remarqué que mes proches vont être influencés par mes peurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, et que du coup en fait je vais être influencée de l'influence que j'avais eue sur eux. Je sais pas si vous me suivez. C'est un peu vandamnesque ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai pu remarquer que vu qu'on est tous connectés, qu'on est tous liés, qu'on est tous un, selon mon état d'esprit et ma vibration, je vais influencer les gens, je parle des gens de mon entourage et ceux avec qui je parle souvent, je vais les influencer de par ma vibration. Alors ça marche sûrement aussi via les vidéos, je veux dire quand vous regardez une vidéo, si je suis dans la peur et que je vibre peur, il y a des chances que vous soyez influencé peur. Pour autant, attention, je fais un nota bene parce que je sais ce qu'on va me sortir. Pour autant, il y a des fois où j'ai passé des informations où je n'étais pas dans la peur, que l'information, vous n'avez pas pris l'information, vous avez pris la souffrance qu'il y avait possiblement derrière. Et du coup, il y a des personnes qui m'ont dit « Oui, tu fais en sorte de passer la peur, etc. » Et ben moi, c'était des trucs sur lesquels j'avais pas peur. Par exemple, quand j'ai fait la vidéo sur 2021, je vous la remettrai en barre d'infos si j'y pense. Sinon vous la trouvez dans mes vidéos, et j'avais pas de peur, et j'ai toujours pas vraiment de peur, pas consciente en tout cas, sur ce qui va ou ce qui peut se passer, parce que j'ai la foi sur que le fait que ce qui va se passer c'est ce qui est juste, mais c'est possible que en fait vos propres peurs à vous aient été soulevées par cette information là qui était neutre à la base. Mais là on est là pour parler de l'influence, donc je reviens à mon point premier. Souvent c'est important de prendre le temps de se recentrer quand on va avoir quelqu'un qui est proche de nous, qui va nous demander notre avis, ou à l'inverse, si nous, on demande l'avis de quelqu'un, de prendre le temps de se recentrer avant pour ne pas influencer de par notre intonation dans la voix, ou... Bon, moi, j'avais l'idée à laquelle je pense, c'est j'avais demandé par écrit, donc j'ai pas pu influencer par écrit, enfin, pas au niveau de l'intonation, mais en tout cas, j'ai pu influencer ces personnes-là au niveau de ma vibration. Donc attention à vraiment se réaligner pour pouvoir être bien centré et pas influencer les autres. Deuxième point, j'ai de la chance, je sais pas si je peux employer ce terme là, d'être sur les réseaux depuis très très longtemps, et ça m'est très souvent arrivé, je dirais au moins entre 10 à 15 fois, vous allez dire c'est pas souvent, mais attendez de savoir ce dont je parle, que des personnes, et là ça m'est arrivé la semaine dernière, quelqu'un avec qui j'avais demandé de faire un live, et que la personne m'a dit ouais cool et tout, on était bien parti, c'était pour de l'astrologie, j'avais envie de pouvoir comparer l'astrologie, ce que disent les planètes avec ce que j'ai comme info au niveau clairaudience. La personne était tout à fait partante, ça avait l'air de bien se goupiller et tout, et puis d'un coup la personne m'a dit finalement je vais pas faire le live avec toi parce que j'ai pas le temps, ne perdons pas de temps. Je lui dis bizarre et tout, pourquoi ce revirement de situation, je comprends pas, et la personne m'a dit respecte ma position, merci de pas chercher à comprendre. Ok. Et ça fait plusieurs fois que ça m'arrive, je sais qu'il y a des gens qui parlent sur moi dans le domaine de la spiritualité, maintenant je peux très bien le comprendre, je veux dire, je suis pas bisounours, paillette, j'ai pas une voix douce et j'envoie les gens se faire foutre, alors franchement je peux comprendre. Mais du coup, j'ai souvent vu ce truc d'écouter les gens influencés, à dire ben travaille pas avec cette personne, ou fais pas ci avec cette personne elle est comme ci, comme ça. Pour ma part, ben, je dois être un peu sadomaso, parce que plus on va me dire va pas voir cette personne, plus je vais avoir envie de me faire ma propre idée en fait. Et du coup, j'avais envie de mettre en lumière ce point-là, de pas vous laisser influencer par ce que disent les autres, parce que c'est pas parce que quelqu'un vous convient pas à vous qu'il va pas convenir à quelqu'un d'autre en fait. On peut pas dire cette personne elle est comme ça. Je veux dire, moi il y a des gens avec qui je suis en amour, je suis hyper généreuse, et il y en a d'autres, je vais être hyper froide parce que je sens que c'est des gens avec qui je peux pas être généreuse parce qu'ils vont profiter de moi, donc forcément je vais pas avoir le même comportement. On n'est jamais la même personne en fonction des personnes
que l'on a en face de nous. Donc hyper important de jamais juger une personne, et au-delà de ça, de pas écouter quelqu'un qui va vous dire cette personne elle est comme ci, comme ci, comme ça, parce qu'en fait on sait pas comment elle est, ça dépend de ce que vous êtes vous. Je sais plus, c'était un acteur qui avait dit ce que je suis n'est pas vraiment fixe, ça dépend de ce que vous avez envie d'être avec moi. Et en fait c'est vraiment ça. Voilà, je voulais vous parler de l'influence des gens et de l'influence que notre vibration peut avoir sur les autres, de l'influence que les autres peuvent avoir sur nous, des paroles qui sont importantes à ne pas prendre pour nous, et à surtout ne pas prendre ça comme vérité acquise, parce qu'en fait la vérité, je vous rappelle qu'elle dépend de chaque personne, du point de vue de celui qui la regarde. Voilà, j'espère que ça sera assez clair, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. À plus tard.